Actuellement, tu enregistres des œuvres de William Suzman. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ce compositeur? En effet, en ce moment, je suis en train d'enregistrer l'intégralité des Quiet Rhythms de William Suzman. William Suzman est un compositeur américain qui fait partie de la troisième génération des compositeurs minimalistes. La particularité de Suzman, c'est de reprendre là où John Adams avait laissé ses travaux pianistiques, c'est-à-dire les fameuses China Gate et Phrygian Gate. C'est-à-dire on a un matériau pianistique qui paraît assez simple et qui petit à petit se densifie avec un travail sur les timbres et aussi un travail sur les rythmes. Là où il est vraiment fort, c'est qu'il a utilisé une polyrythmie, c'est-à-dire un ensemble de rythmes qui petit à petit, en étant simples, vont devenir de plus en plus complexes et qui sont d'inspiration cubaine et sud-américaine. Et que t'évoque sa musique? La musique de Suzman a quelque chose de véritablement aquatique. On a l'impression qu'on est dans un bain de son, un bain de lumière. Et vous avez ces ambiances comme ça qui petit à petit se développent lentement, un petit peu comme un cours d'eau. Et vous avez tous ces chatoiements, ces scintillements et qui sont justement tous ces petits rythmes qui vont égayer comme ça cette harmonie qui peut sembler si simple, mais qui finalement nous permet de véritablement nous plonger dans ces rythmes qui sont paisibles, d'où le titre Quiet Rhythm.